C'est un lieu sauvage où des poissons volants indiquent la direction des vents et où des poissons-chats nagent dans un monde végétal. Inspiration d'Orient, c'est le pays de Jos Grenic, artiste, sculpteur et bon nageur. D'abord, j'adore l'océan. J'adore aller me baigner. J'adore la fluidité de l'eau. Tout ça conjugué fait que ça m'a semblé intéressant de travailler les poissons. C'est un défi pour moi d'être strict et de faire en sorte que le poisson soit le plus vivant possible dans ses apparences. Donc, nécessité d'avoir le livre. Il y en a vraiment un qui est magnifique. C'est les poissons d'un ichtyologue qui s'appelle Bloch. Alors, il y a celui-là, et puis alors, il y a ça. Ça, c'est super beau, là. Diotaku, Diotaku. Ça veut dire poisson, et taku, c'est l'empreinte du poisson. Voilà, d'accord. Quand on voit ça, alors là, c'est... On est quand même dans la création, là, par l'encre. Ah, c'est beau comme ça. Voilà, c'est comme ça que je l'aime. Voilà, au maximum de sa forme. Et là, tu as tout pigé. Donc, on va pouvoir voir à l'atelier que là, je vais te meuler ça sévèrement. Ce qui est intéressant pour moi, bah, évidemment, c'est de regarder au plus près le développement des nageoires. Et là, j'aperçois bien, si tu veux, ces minces filaments. On n'est plus dans la planche anatomique, mais là, voilà. On voit bien, hein. C'est beau. Hein. Le mouvement des formes rondes, quand j'observe la courbe, la trajectoire du soleil ou de la lune, ou alors l'amplitude des marées, voilà, tout est extrêmement souple, en courbe, en ellipse. Donc, voilà, je m'y retrouve. Moi, je m'inscris là, donc je me dis comment mettre en valeur ce poisson. Et boum, l'univers de ma préoccupation des cercles cosmiques, des cercles taoïstes, shintoïstes, revient là, ressurgit tout de suite. Par contre, ce qui va être vraiment intéressant, c'est de le voir en situation au bord de l'eau. Et c'est le grand jour. Jos a choisi la plage de Saint-Jean à Tréboul, dans la baie de Douarnenez. Nous sommes dans un monde d'apparence, d'apparition, de disparition. La marée va monter, coefficient 102 va le recouvrir, va le découvrir à nouveau. Est-ce que c'est pas l'image de l'existence ?